come on, come on, come on. Prove you love your life. Life is a gift. Be aware of it. Best is to enjoy each and every day. Best is to be free each and every day. Réinventer et à créer ce monde qui n'existait que dans nos pensées individuellement séparées, c'est qu'on a été enseigné, tu le sais, depuis des siècles à se penser simplement comme si on n'était pas les membres d'une même lumière et comme si on était en fait tellement éclatés. Mais ce soir, on va s'éclater comme tu le sais. Bah, ce soir, il y a eu près de 3 heures d'intervention et très variées. Et en fait, ça a vraiment ouvert des sujets qu'on ne connaissait pas, enfin que je ne connaissais pas ou très peu. C'était important d'être là ce soir parce que c'est pas forcément évident de pouvoir amener certains sujets sur la table. Et c'est pas évident de le faire dans un temps très court. Je veux dire, quand on arrive à peut-être à convaincre un ami ou deux de venir en manifestation pour certains sujets dont par lesquels il pense ne pas être concerné, c'est le temps d'une action précise. On n'a pas le temps de se poser, d'échanger, d'argumenter. Et avoir des événements comme ça, des conférences, que ce soit sous forme de conférences, de débats ou d'ateliers, ça permet aux gens de s'instruire tout simplement, et de s'instruire dans le bon sens. Alors non, en fait, je connaissais les intervenants. Et c'est par les intervenants que j'ai connu Nantes en commun. Donc j'ai regardé un peu, puis ils m'en ont parlé. Et donc je m'étais dit que c'était aussi l'occasion de découvrir Nantes en commun. Symboliquement, on se retrouverait sur le pont maintenant. Et il est pensé de manière à ce que, disséminé sur le pont, on ait plusieurs plaques de verre qui chacune représente simplement une expédition négrière, et c'était pensé pour être éclairé de façon à ce que chacune envoie de la lumière vers le ciel. Dans les traditions de certains peuples comme ceux d'Afrique, l'âme qui est sur terre, le temps de l'existence, remonte vers la lumière. Et quand je disais hier qu'on est tous comme de la lumière incarnée, c'est en principe ce qui a voulu être symbolisé à ce moment. Les nombres de personnes transportées, c'est à peu près 600 par bateau. Donc imaginez 2000 plaques de verre que l'expédition nantaise. Et ce qui est plus flagrant, c'est l'absence des noms des armateurs. Parce que ça se trouve dans les archives et on peut plus facilement avoir accès à ça. C'est-à-dire que la finalité maintenant, c'est la marchandise. L'argent ne se fait pas sur la production, il se fait sur le commerce. C'est pas le fait que tu cultives des pommes qui va t'enrichir en nourrissant ton voisin, c'est le fait que la pomme vient de l'Argentine ou de l'Afrique du Sud. C'est le commerce. Un enfant qui veut réussir, qui veut percer, doit faire une école de commerce. Il ne pense pas production, production, non, c'est pas là qu'on gagne de l'argent. C'est dans le commerce, et le commerce doit être à longue distance. Si c'est le circuit court, il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas d'intermédiaire. Ici, nous sommes ici à la maison de quartier de l'île de Nantes, rue Conen-Mériadec, à 2 pas de la Loire et à 4 pas du mémorial de l'abolition de l'esclavage, où nous étions ce matin pour une visite commandée du mémorial. Alors cet après-midi, après un repas partagé, on va ensemble autour d'ateliers discuter de différentes thématiques qu'on souhaitait aborder et relier les unes aux autres. Parler de jazz à Nantes, c'est quelque chose qui est très important, qui prend beaucoup de place dans le calendrier nantais. Discuter de la question des violences policières, les violences policières dans les quartiers. On va discuter de comment est-ce qu'on peut se réapproprier notre histoire collective, quelles sont les actions que nous, en tant que Nantes en commun, on peut porter comme proposition pour cela. Un soleil s'en va, c'est le titre du film qu'on va regarder. Le film, il est réalisé par des artistes d'origine
gabonaise. Yves qui parle du Gabon, un pays qui est comme une prison à ciel ouvert, où des gens peuvent s'introduire d'ailleurs dans des prisons, comme si c'était dans des quartiers ou dans des écoles. On tire sur les enfants comme dans les années 60 aux États-Unis. Ça se passe aujourd'hui, ce dont je parle, et où le code du travail est en train d'être revu et qui, au final, donne aussi autant de droits aux travailleurs que du temps, en fait, du code de l'indigénat. En faisant forger ce petit bling, clair le soir et solaire, mon parfum chlorophylle, à l'autre bout de ma laisse, une meute de crocodile, et on a tagué nos noms sur des murs.